Mathieu, test concluant face au bon. Bah ouais, plus que concluant, elle l'a fait brillamment. On a le bon parcours derrière Billy de Montfort, mais elle l'a super bien doublé. À mi-ligne droite, t'as été obligé de la décaler plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Bah, c'est une jument qui n'est pas trop gauchère, elle part tout le temps un peu sur sa gauche. J'ai eu du mal à la décaler, mais comme gentil, elle y va. Elle m'a bricolé quand j'ai été un peu gourmand, mais tellement brave et bonne qu'elle retombe tout de suite sur la bonne. Et... non, aucun problème. Est-ce que tu t'attendais à l'avoir gagné, tout simplement? Qu'elle court bien, oui, mais de là à l'avoir gagné, elle gagne avec le style, quoi. Oui, avec le style, après oui, non, donc je peux pas dire qu'on est surpris parce qu'on voit bien le matin qu'elle a gros de marge, bah gros de potentiel. Après, de là à dire qu'on va battre celle qui domine les buts en ce moment, on ne peut pas avoir la prétention. Deuxième, on aurait été content, elle arrive à la battre, tant mieux. Sébastien, battu par une nouvelle venue? Ouais, battu par une super pouliche, elle avait notre dos toute la course. Et puis le chrono est super bon, 12 piles, départ volté. La nôtre, elle bat son record de au moins d'une seconde et demie. Donc rien à dire. Hein. Par rapport au mal, il y a une sacrée différence quand même. Ouais, elle t'a plu aujourd'hui, elle est battue, mais elle est battue avec les honneurs. Ouais, puisqu'on fait sa rentrée, la jument, voilà, elle est pas battue de 100 mètres, elle est battue d'une demi-longueur. Et donc c'est super, moi je suis content. La jument elle va monter là-dessus, elle courra le 2007 après. Et puis on verra bien. Il y a un bruit qui circule comme quoi Vabellino va courir le critérium des 5 ans, tu confirmes? Oui, il court, ouais. On va courir directement dans le critérium. Bon, après pour une place, je pense qu'il y a quand même 2-3 chevaux qui sont meilleurs que lui, mais il a déjà battu le cheval à Jean-Michel Bazir facilement à La Rochelle, donc il a son mot à dire pour être dans les 5. Francky Beauty, 3e, elle est à sa place. Ouais, elle court bien, rien à dire, on est battu par 2 très bonnes juments, donc le chrono est là en plus, on a fait un super temps, 12. Non, je suis très content de ma jument. Est-ce que tu y as cru un moment? Dans la tournante, j'ai cru un petit peu, ouais. Mais bon, je voyais bien que Mathieu, dans le dos d'Eric, avait vraiment beaucoup de gaz. Mais je pensais que j'allais lutter avec eux, mais ma jument n'a pas démérité. Non. Il lui manquait d'une course? Peut-être aussi, l'autre jour, on n'a pas fait de parcours. Mais non, c'est encourageant, hein. C'est un très bon temps en plus, donc je pense que c'est très très bien pour l'avenir.